Bon matin, nouvelle vie. Bon matin. Bienvenue parmi nous. Tellement content d'être avec vous. Content d'être avec toi, Livio. Merci, Kalem, moi aussi. Je regarde ta veste là. Quel homme. Regardez-moi un style. J'aime ta veste, elle est belle. Ah, merci, Kalem. Toi aussi, toujours, toujours très beau. Et merci pour le compliment. C'est ma femme qui nous l'a acheté. Elle a l'œil. Pour Noël. Elle a l'œil. Exact, exact. Et Kalem et moi, on fait partie du staff de Nouvelle Vie, La Prairie. Ouais. On était tellement heureux de reprendre en présentiel la semaine passée. Vraiment. N'est-ce pas, Kalem? T'as raison. Quelle joie de savoir qu'on reprend l'église en présentiel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive très bientôt sur tous nos sites Nouvelle Vie. Donc, restez à l'affût. On a vraiment de bonnes nouvelles pour vous à ce propos. Et bienvenue à ceux qui sont avec nous ce matin pour la première fois. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur nos différents sites partout au Québec. Bienvenue également à toute la francophonie qui nous regarde et qui nous suit. Présentement, on est en direct sur nos trois plateformes et avec le temps, là, je pense que vous les connaissez par cœur. Vous pouvez même les dire en même temps que moi si vous voulez. Donc, on a Facebook Live, YouTube et live.nouvellevie.com. Et ce matin, on continue notre thématique. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Ouais. Pasteur Claude a un message pour nous. Tout au long de la thématique, Pasteur Claude nous a vraiment enseigné, encouragé à rentrer dans notre appel, à aller plus loin. Et on a hâte d'entendre ce qu'il a pour nous ce matin. On va également avoir un temps de communion qui est un temps important pour nous parce qu'on veut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous et c'est un temps qu'on veut vivre ensemble. Alors, préparez votre pain, votre jus de raisin. On va vivre un beau moment. Yes. Et pour ce qui est du déroulement de la réunion, voici comment ça va se passer. Dans quelques instants, on va avoir un temps de louange parce qu'on va élever nos voix, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ensuite, la communion qu'on a mentionnée, il va y avoir une section vie d'église qui va s'en suivre où est-ce qu'on veut vous tenir au courant de tout ce qui se déroule par rapport à l'église. Et puis, le message de Pasteur Claude que vraiment on a tous très hâte d'entendre. Et après ce message, Livio et moi, on va revenir pour clôturer la réunion avec vous. Merci d'être avec nous ce matin. Un privilège, un honneur d'être avec vous. Alors, on veut vous souhaiter, Kalem et moi, une bonne réunion. Belle réunion, tout le monde. Bonjour à tous. Ah oui, vraiment, je vous invite qu'on puisse, là où vous êtes, qu'on puisse élever, déclarer le nom de Jésus ensemble. Alors, c'est parti. Jésus, l'ennemi est vaincu.
sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre.
soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Chantons-le. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Déclarons, reçois. C'est dans ce temps de louange et d'adoration qu'on aimerait prendre ensemble la communion, le repas du Seigneur. Et en prenant le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus qui ont été livrés à la croix, on veut se souvenir aujourd'hui du sacrifice de Jésus qui a changé l'histoire de l'humanité, qui a changé votre vie et la mienne, non seulement dans cette vie ici, mais pour l'éternité. En fait, à la croix, Jésus a subi ce que nous aurions dû subir. Il a pris la condamnation sur lui. Il a porté notre culpabilité, de nos péchés, de nos erreurs, de nos échecs, de nos manquements. En fait, à la croix, Jésus a pris sur lui ce que nous méritions. Et à la croix, Jésus nous a donné ce que nous ne pourrions jamais mériter. Il nous a donné sa grâce. Il nous a donné le pardon de nos péchés, la réconciliation d'avec Dieu, la vie éternelle, l'assurance que lorsque dans cette vie nous venons vers Dieu, Dieu s'approche de nous, qu'il nous entend, qu'il nous répond, que nous pouvons venir être justifiés devant Dieu, que nous pouvons être libres de nos péchés, libres de nos addictions. Alors aujourd'hui, lorsque l'on prend la communion, on se souvient que dans cette vie, peu importe les circonstances, nous pouvons avoir accès à la paix, à la joie, à l'amour de Dieu. Dans cette vie, peu importe nos situations, peu importe les situations faciles ou difficiles, Dieu est avec nous. Par la croix, Jésus nous a donné tout ce que nous ne pourrions jamais mériter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec reconnaissance, avec gratitude, avec l'unité du corps de l'Église aujourd'hui que nous venons prendre la communion. Et alors qu'aujourd'hui, on veut la prendre avec humilité, on veut se souvenir que ce n'est pas à propos de nous, que tout ce que nous avons ici et ce que nous aurons dans l'éternité, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de ce que Jésus a accompli à la croix. Alors quel espoir et avec quelle reconnaissance nous devons prendre le pain et le vin aujourd'hui. C'est Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 23 qui dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, on veut venir aujourd'hui avec humilité devant la grandeur de ton sacrifice. Tu as tout accompli. Par la croix, nous sommes sauvés. Par ton sacrifice, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons venir devant toi aujourd'hui, simplement, Seigneur, et t'adresser nos requêtes, et tu nous entends, et tu nous réponds. Seigneur, merci parce que la croix démontre, Seigneur, le grand amour que tu as manifesté à l'humanité. Merci parce que tu nous aimes.
Seigneur, aide-nous à comprendre encore mieux la puissance du sacrifice à la croix. Seigneur, merci pour l'unité de l'Église. Seigneur, merci parce que, peu importe les circonstances, Seigneur, tu nous unis d'un même cœur, d'un même esprit. Et on a tellement hâte de revivre ensemble, dans l'Assemblée, l'Église, ensemble. Merci, Seigneur, parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, nous pourrons être ensemble, t'adorer ensemble et prendre la communion ensemble. Jésus, on veut se souvenir à chaque fois qu'on prend ce pain et ce vin, on veut se souvenir de ta mort et on veut célébrer, Seigneur Jésus, ton prochain retour. Parce que tu reviens, Seigneur Jésus, et nous vivrons ensemble pour l'éternité. Et c'est ça qu'on veut, on veut proclamer aujourd'hui, l'espoir que nous avons, car tu as tout accompli. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions, et tout le monde dit Amen. Continuons d'adorer ensemble Jésus. Je vois l'espace qui nous sépare, et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les sa gloire porte.
On est heureux de vous voir connecté avec nous aujourd'hui et de vivre ces temps ensemble. Et on se réjouit tellement de voir que Nouvelle Vie sera en présentiel. C'est le moment qu'on attendait depuis longtemps. Il y a vraiment quelque chose dans nos cœurs qui se réjouit de vous revoir à la maison. Et la semaine dernière, c'était Nouvelle Vie La Prairie qui a rouvert ses portes pour deux réunions. Ça fait tellement de bien de se retrouver ensemble, de voir les gens revenir à la maison, de vivre les temps de louange, d'adoration, d'entendre la parole de Dieu, de vivre la communion fraternelle. Alors, c'était vraiment, vraiment un moment fort. Et la bonne nouvelle, c'est que dès demain, la Montérégie passe en zone jaune, c'est-à-dire que les lieux de culte peuvent recevoir 250 personnes. Donc, ça veut dire que pour Nouvelle Vie Longueuil, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient en présentiel dès le dimanche 27 juin. Ça va être une journée de célébration. On vous prépare trois réunions vraiment fortes avec l'équipe de louanges, avec un message de Pasteur Claude. Tous les bénévoles seront là pour vous accueillir. Ça va vraiment être une journée incroyable. Donc, il y aura trois réunion, les horaires seront 9h, 11h15 et 13h30. Les places étant limitées, on vous encourage à rapidement réserver vos places dès le mercredi 16 juin. Vous pourrez directement aller vous inscrire sur notre site nouvellevie.com/agenda. Alors bien sûr, toutes les mesures sanitaires seront respectées parce que votre sécurité est importante pour nous. On fera tout en sorte pour que quand vous arriviez ici, vous soyez à la maison et on vive un moment puissant. Pour Nueva Vida, qui est l'église Nouvelle Vie pour les hispanophones, le retour en présentiel va se faire le samedi 3 juillet, ici dans la grande salle de Nouvelle Vie Longueuil. Alors on a hâte de vous revoir, de vivre l'église ensemble. Pour toute la manière de s'inscrire, de réserver vos places, tout cela va être vraiment simple, mais tout va être détaillé dans l'hebdo que Pasteur Claude va mettre en ligne cette semaine. Alors restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Pasteur Claude va vraiment expliquer toute la marche à suivre et on a hâte vraiment de vous revoir. Parce que vous savez, dans les dernières semaines, derniers mois, Dieu a agi d'une manière incroyable. Il y a des centaines de personnes qui ont découvert l'Évangile. Dans tous nos sites en ce moment Nouvelle Vie, on entend que des personnes se joignent à la grande famille Nouvelle Vie, que ce soit Nouvelle Vie Drummondville, Nouvelle Vie Charlevoix, La Prairie, Nueva Vida, Longueuil. Tout le monde revient et il y aura des personnes nouvelles qui vont se joindre à la grande famille. Alors, vous savez, dès cet après-midi, il va y avoir des dizaines de personnes qui vont se faire baptiser. Ils vont témoigner combien Dieu a changé leur vie et on a hâte que vous les découvriez. On a vraiment hâte de vous revoir à Nouvelle Vie dans les prochains jours. Et ce que Dieu demande à l'Église, à chaque croyant, c'est non seulement d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais c'est aussi de venir en aide à ceux qui souffrent. Et en ce moment, nos cœurs et nos pensées sont avec Haïti. En ce moment, vous le savez, les journaux locaux là-bas et internationaux parlent d'une situation vraiment difficile, chaotique. Alors que les taux de criminalité augmentent comme jamais, il y a des meurtres, des enlèvements par centaines, il y a des maisons qui sont incendiées par les gangs de rue. Malheureusement, les familles souvent quittent leur quartier par peur de mourir. C'est même l'UNICEF qui prévoit une grande famine dans les prochaines années qui va malheureusement affecter les enfants tout particulièrement. Donc on veut vraiment avoir une pensée pour le peuple haïtien là-bas en Haïti. Et vous le savez, tout ça prend place aussi dans un contexte de pandémie alors qu'il y a une forte augmentation des cas, des hospitalisations et des décès dans les dernières semaines. Alors Haïti en ce moment fait partie des pays qui ont le moins de ressources pour lutter contre cette pandémie. La campagne de vaccination n'a pas encore commencé. Alors, c'est pour ça qu'à Nouvelle Vie, aujourd'hui, on voudrait prendre une offrande spéciale pour répondre à un besoin concret là-bas. Non seulement on veut prier pour eux, mais on veut donner généreusement. On est en train de développer en ce moment un fonds d'urgence et on prévoit dans les prochains jours envoyer un don conséquent pour être une aide concrète là-bas. Alors, soyez généreux aujourd'hui. À chaque fois à Nouvelle Vie qu'il y a une situation de crise, on vous a demandé d'être généreux et vous avez répondu à l'appel et ça a fait une différence. Chaque don fait une différence dans une situation de crise en ce moment à Haïti. Alors vous le savez, à Nouvelle Vie, il y a trois façons simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant le mot don au 438-500-3847 ou en allant sur notre site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant par courriel à don@commercialnouvellevie.com. Merci parce que chacun des dons va faire une différence. Et aujourd'hui, on poursuit la série « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle » avec un message de Pasteur Claude. Et le titre de son message aujourd'hui, c'est « Appeler à faire une différence ». Alors, ouvrons nos cœurs et écoutons ce que Dieu a au travers de Pasteur Claude. Bonne réunion.
Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui, très bientôt en présentiel. Mais bienvenue à Nouvelle Vie à Longueuil, tous ceux qui sont de Nouvelle Vie, Nueva Vida, Nouvelle Vie, La Prairie. Je vous salue ce matin à Nouvelle Vie à Drummondville, Nouvelle Vie à Charlebois. Vous savez, nous allons vous annoncer un sixième site Nouvelle Vie officiel dès le 4 juillet. Ne manquez pas ce dimanche-là, on va faire la grande annonce. Et bien sûr, nous revenons en présentiel sur tous nos sites. On a tellement hâte de vous voir à Longueuil. Ça va être le 27 juin. Nos trois réunions sont affichées. Vous allez pouvoir vous inscrire dès cette semaine. Je veux vous voir. On a hâte de vous voir et de vivre ces moments puissants ensemble dans la présence de Dieu. Je vais être là en avant, mais je vais être là à l'arrière après aussi pour vous saluer, pour vivre ce moment-là avec vous. Dieu va être là au rendez-vous. Bienvenue aussi, bien sûr, à Nouvelle Vie en ligne. Plus de 75 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube partout à travers le Québec et la francophonie. Je vais avoir une pensée spéciale ce matin pour les milliers qui suivent Nouvelle Vie fidèlement en Haïti. Nous pensons à vous, nous sommes avec vous, vous faites partie de la famille, nous ne vous oublions pas et le peuple de Nouvelle Vie va être généreux envers vous encore. On va être là, vous soutenir dans ces épreuves terribles que vous traversez. Également mentionner qu'on va continuer en ligne. Plusieurs nous écrivent, une fois qu'on est revenu en présentiel, est-ce qu'on va continuer en ligne? Oui, on continue en ligne également. Et notre message ce matin, entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle à lever les yeux. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à apporter la parole dans un webinaire qui rassemblait des pasteurs, d'enseigner des pasteurs de partout à travers la province de Québec. Et il y avait par la suite une période de questions où on envoyait, on textait, tout est en ligne et je lisais les questions qui me parvenaient. Et il y en a une, là, je l'ai prise textuellement dans le webinaire. Un des pasteurs m'a demandé, c'est quoi la clé de la croissance de Nouvelle Vie, croissance historique, unique, sans précédent, ininterrompue et exponentielle. C'était toute une question. Ce qui est dit là est vrai, ce qui est mis dans la question est vrai. Dieu a donné une croissance à l'Église Nouvelle Vie depuis 28 ans qui était sans précédent dans l'histoire du Québec et même du Canada. Et c'est une grande question. C'est quoi la source de toute la croissance? C'était toute une question. C'était 28 ans à répondre en deux minutes. Alors, ces questions-là sont immenses. C'est quoi qui contribue? La raison de notre croissance continue? Prédication, bien sûr, en phase sur la communication, prédication, le worship, les soins aux brebis, le jeûne, la prière, j'aurais pu répondre, la passion, la vision, le leadership, la poursuite d'excellence, la reconnaissance de la diversité des ministères. J'aurais pu répondre aussi un cœur ouvert au changement, à changer, à grandir, à laisser Dieu agir, une poursuite d'humilité, la résilience, la persévérance, le courage, la foi. J'aurais pu répondre « Sola Gratia » est un de nos piliers, la grâce seulement. « Sola Christo »« Christ seulement ».« Sola Scriptura » les Écritures seulement. J'aurais pu répondre « Sola Gloria » la gloire à Dieu seulement. Ou « Sola Fide » la foi seulement. Et toutes ces choses-là sont des piliers de Nouvelle Vie. Mais il y a un appel distinctif. Il y a une marque qui nous définit. Et tous les autres en découlent. C'est une décision que nous avons prise et que nous avons maintenue farouchement depuis 28 ans, la décision de ne jamais être plus focalisé sur les gens que nous voulons garder, les brebis, les gens, les chrétiens, que nous voulons garder à l'intérieur. Jamais plus focalisé sur les gens que nous voulons garder à l'intérieur que ceux que nous voulons atteindre à l'extérieur. Des soins passionnés pour les gens à l'intérieur, mais jamais en oubliant ou au détriment de ceux que nous voulons atteindre à l'extérieur. Nous ne pouvons pas, dans la pensée Nouvelle Vie, et nous n'avons pas, il était impensable, inconcevable. Lorsque nous avons la sève de Dieu en nous, il y a de la vie. Alors, c'était impensable pour nous. Nous ne pouvons pas ne pas grandir. Nous ne pouvons pas avoir une année, vivre une année de plateau ou sans croissance. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas vécu une seule année sans croissance pour le Seigneur. Nous ne sommes pas, une phrase importante pour nous, nous ne sommes pas appelés à être des
nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Nous ne sommes pas appelés à être des gardiens de l'aquarium. Mais pas appelé à juste nourrir les gens à l'intérieur. Nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Nous ne serons jamais esclaves ou limités à plaire à tout prix aux préférences, gâteries ou visions spirituelles réduisantes de quelques-uns à l'intérieur, que pour leur plaire, on est maintenant au détriment de rejoindre les multitudes à l'extérieur, une personne à la fois. Et ça, c'est depuis 28 ans. Lorsque nous étions quelques dizaines à la poursuite, à la recherche d'atteindre des centaines, nous avions cette vision. Lorsque nous étions des centaines, rêvant, prêts, priant, jeûnant pour aller rejoindre un millier de personnes, et 2000, et 3000, et 4000, le cœur, 5000 aujourd'hui, demeure le même. D'une église à 6 sites de 1000 abonnés YouTube à 75 000 abonnés YouTube, nous ne serons jamais arrêtés à la préservation sans expansion, une vision vers l'extérieur. Nous refusons radicalement la notion, à ce moment-ci de la conversation, dans les milieux ecclésiastiques surtout et pastoraux, il va y avoir toujours quelqu'un qui va arriver avec jouer la carte de l'attractionnel versus le missionnel. Si on est vraiment missionnel, on n'est pas attractionnel. Ou d'essayer de mettre un contre l'autre le discipola, faire des disciples dans la maison, comme opposé à faire une différence dans le monde et avoir un désir pour la moisson. Attractionnel et missionnel ne sont jamais en opposition selon Jésus. Ce n'est jamais faire des disciples ou faire une différence. C'est toujours, ça doit et être et ça sera toujours les deux dans le cœur de Dieu. Ce n'est jamais mission et moisson ou on prend soin de la maison. C'est les deux. Les vrais disciples selon Jésus, la vraie Église, le vrai appel, entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle, est toujours un appel à lever les yeux. Ce n'est jamais la maison qui devient un musée. Non, c'est une mission. C'est un ministère qui est axé, qui pense et qui est axé toujours, focalisé vers le monde, vers ceux qui sont à l'extérieur, vers la moisson. Ce n'est jamais seulement édifier, étudier, éduquer, enseigner et examiner les Écritures sans évangélisation et sans un engagement radical, extravagant, à étendre le royaume de Dieu à l'extérieur, vers ceux qui sont étrangers à la foi. Surtout, jamais, l'Église n'est jamais appelée à simplement perpétuer ou protéger pieusement nos préférences sans une poursuite, sans de progrès, de proclamer, de faire vivre une expérience personnelle à tout un peuple, une personne à la fois. Et surtout pas une église ou le royaume de Dieu avec des prophéties alarmistes ad nauseam sans passion pour les âmes. Ce n'est jamais ma bénédiction sans me faire du bien, sans les baptêmes qui voient, qui sont la manifestation de l'action de Dieu. Ce n'est jamais pas de théologie sans témoignage. Ce n'est jamais de la doctrine de Christ sans décision et disciples pour Christ. Ce n'est jamais notre confort sans des combats, sans le changement, sans des conversions. Ce n'est jamais fidélité religieuse routinière sans une foi qui prend des risques pour gagner des âmes à tout prix. Ce n'est jamais notre louange en sa présence sans être une lumière qui perce avec puissance et renverse les pires préjugés. Jamais le salut sans le service. Notre appel, nous ne sommes pas appelés en fait à aller à l'Église. Nous revenons en présentiel, mais nous ne sommes pas appelés à aller à l'Église. Nous sommes appelés à être l'Église et nous existons pour le faire connaître, pour lever les yeux vers la moisson. Entends, écoute et réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux vers la moisson. Nous retrouvons la phrase, l'expression « lever les yeux » plus de 25 fois dans la Bible. Comme dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Le secours me vient de Dieu et il protège mon départ et mon arrivée. Oui, nous sommes appelés à chaque jour à lever nos yeux vers Dieu pour son secours. Mais nous sommes aussi appelés à lever les yeux afin de faire une différence. L'appel à lever les yeux est appelé, c'est l'appel à faire une différence pour le salut de d'autres. Jésus nous a appelés à lever les yeux. Dans Jean chapitre 4, et les versets 35 et 36, Jésus parle à chacun d'entre nous. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. »
Les moissonneurs de l'époque se disaient, il y a encore 4 mois, il y a encore du temps. Plus tard, ça va arriver, on n'est pas pressé, ça s'en vient, ça arrivera un jour. C'est la pensée, et Jésus fait l'analogie parce qu'il adresse cette dynamique spirituelle qui est toxique. De chrétiens au Québec depuis des années qui disent « Le réveil viendra. Lorsque le réveil va arriver, on a encore 4 mois, c'est bon. » Jésus dit « Non, it's right now. » C'est maintenant. La moisson, elle est maintenant. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Lève les yeux de toi-même, lève les yeux de tes situations, tes soucis, lève les yeux de tes préoccupations, du toi, de ton ego, de ton... Lève les yeux et regarde les champs. Déjà qui blanchissent pour la moisson. Il y avait rien encore au niveau physique, mais spirituellement, il parlait des âmes, des personnes. Et plusieurs théologiens parlent que lorsqu'il parlait de la moisson qui a blanchi, c'est qu'elle était plus que prête. Lorsqu'elle était blanche, on commençait déjà à en perdre. Il parlait des gens qui sont là, qui ont besoin du Seigneur. La moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, et que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir, non seulement voir, mais nous engager envers la moisson, à faire une différence ensemble. En cet été 2021, en cette année de sortie de pandémie, alors qu'il y a plus d'un an, on a été forcés de fermer les portes de l'Église. Nous avons continué à lever les yeux et à moissonner et à gagner des âmes. Et alors que maintenant nous ouvrons à nouveau les portes de l'Église et qu'on va venir vivre en présentiel l'Église du Seigneur, nous allons comme jamais, je vous annonce 2021, comme jamais, une année où nous devons lever les yeux et moissonner. C'est anti-biblique et gravement incomplet. Et c'est une injure, c'est infidèle envers l'ensemble de la parole de Dieu et le cœur de Dieu de faire une série sur « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle » sur l'appel de Dieu en focalisant seulement sur nos vies personnelles, sans faire résonner son appel sur nous comme peuple. Il y a un appel comme enfant de Dieu, mais un appel comme église de Dieu, comme ensemble, un appel pour mon développement. Dieu veut me développer pour tout ce qu'il a préparé pour moi, mais un appel ensemble à faire une différence. Un appel où chacun exerce un ministère différent, mais est appelé à une même moisson. Et dans les deux, prochain message aujourd'hui et dans le dernier message de la série, nous allons revenir, recapturer, redécouvrir, répondre et nous réjouir ensemble. Ils se réjouiront ensemble de cet appel à la moisson. On va regarder à 3 grandes pensées ensemble aujourd'hui dans le prochain message. Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux. Le mandat de notre appel, la motivation de notre appel et le moi et la mission et le mouvement de notre appel. Aujourd'hui, on fait seulement la première pensée, elle est importante, le mandat de notre appel. Lorsqu'on le mandat de l'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Lorsqu'on regarde ensemble à ce texte aujourd'hui et dans le prochain message, nous allons regarder à Jean chapitre 4. C'est une entrevue, c'est un entretien, une conversation extraordinaire, fascinante, une rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et Jésus fait éclater en 1000 morceaux. Il renverse en 1000 morceaux, pulvérise les tabous, les barrières, les préjugés, même la discrimination et surtout les faux concepts de spiritualité qu'ils avaient à l'époque axés sur eux-mêmes à l'intérieur, entre eux, avec une condescendance et un mépris, en tout cas une indifférence pour l'extérieur. Jésus nous ramène, dans cette conversation avec la Samaritaine, à lever les yeux, nous ramène à l'essence, à la nature, à l'éthos fondamental, l'essence fondamentale de son appel authentique qu'il révèle à cette femme samaritaine. Il ne le révèle pas à un homme juif, religieux, puritain, pieux. Il le révèle à une femme à l'époque qui n'avait pas droit de penser ou de parole. Il le révèle à une samaritaine qui était le peuple méprisé et rejeté. Et il le révèle à une femme avec un lourd passé. Jésus, même en s'adressant à elle, dans le choix de cette femme, nous dit « Levez les yeux. Levez les yeux de vous-même, de vos tabous, de vos limites, de votre légalisme. Je suis le Dieu qui vous appelle à lever les yeux vers la moisson. » Et il y a un mandat à notre appel. Le mot « mandat » veut dire un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir, la responsabilité de faire quelque chose, d'accomplir une mission en son nom. Et c'est ce que Dieu nous a donné à chaque croyant, un mandat
d'accomplir en son nom, son œuvre vers la mission. Le mandat de notre appel est un mandat avec une conviction. C'est un mandat avec une conviction. Versets 3 et 4. Alors Jésus quitta la Judée, retourna en Galilée, car il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par Samarie. Une église, il faut, l'église chrétienne, il faut qu'elle aille vers ceux qui ne le connaissent pas. Il faut qu'elle soit axée vers l'extérieur. Il faut qu'elle accepte ce mandat. La conviction que je dois prendre mon mandat, dois prendre ma place, qu'il faut que j'accomplisse mon mandat pour faire une différence dans la vie, ensemble, chacun avec nos dons, pour toucher un homme, une femme pour Dieu. La question à cette fin de pandémie, où nous revenons ensemble à l'Église, est-ce que tu réalises que tu as sur toi ce mandat, cet appel de Dieu, ensemble, chacun avec nos dons? Est-ce qu'on est prêt à répondre au mandat de Dieu? Un mandat avec la conviction que la moisson et le miraculeux s'accomplit une personne à la fois. Toute cette révélation extraordinaire que Jésus a donnée à cette personne, à cette Samaritaine. Lorsqu'on parle, donc, on lit les évangiles, on peut être capturé par Jésus qui parlait aux multitudes. On peut penser à Nouvelle Vie comme une église de plusieurs milliers de personnes. Mais il faut que vous traversiez les évangiles avec Jésus, vous rappelez qu'il est une personne à la fois. C'est Jésus et la Samaritaine. C'est Jésus et Nicodème. C'est Jésus et la veuve. C'est Jésus et l'aveugle. C'est Jésus et le démonisé. C'est Jésus et le jeune homme riche. C'est Jésus et quelqu'un qui est près de toi. Une personne à la fois. Que moi, je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. La conviction... Un mandat avec une conviction que Dieu a préparé des moments divins pour ceux qui sont prêts à lever les yeux. Et marquez mes paroles, je parle aux gens de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui, cette année 2021 est un moment préparé par Dieu. Nous entrons dans une saison de moisson où chaque personne peut et va faire et doit faire une différence. Le retour en présentiel, il y a ce cri dans le cœur de Dieu, ramène les serviteurs, que les serviteurs reviennent. On revient en présentiel et j'aimerais vous inviter dès maintenant, le 27, on va être de retour en présentiel, mais toutes les centaines et centaines et centaines, il y avait plus de 1000 bénévoles à Nouvelle Vie lorsqu'on était en présentiel et là, on revient et on a besoin de vous. Je vous invite à aller sur nouvellevie.com/ensemble. Ensemble, on aime Dieu, on aime les autres, on aime l'Église. Nouvellevie.com/ensemble. Nous avons besoin que dans l'esprit de Jésus, avec une personne à la fois et une personne qui fait une différence, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont revenir et dire « Je reviens fièrement à accomplir mon mandat. » Mon mandat dans le stationnement pour accueillir les gens, mon mandat comme placeur, mon mandat auprès des enfants. Avec Nouvelle Vie Junior, nous allons reprendre dans les prochaines semaines et mois. Le 27, ça va être sans enfants pour débuter, mais on prépare déjà les équipes. Le mandat à la régie, le mandat comme musicien, le mandat aux caméras, le mandat à l'espace bienvenue pour accueillir les gens. Dans toutes sortes de sphères de la vie de l'Église, on a besoin de vous. Nouvellevie.com/ensemble. Le mandat de notre appel à lever les yeux pour faire une différence malgré nos contextes et nos conditions. Lorsqu'on regarde à Jésus qui arrive en Samarie, il fallait qu'il passe là parce qu'il avait un rendez-vous divin. Et nous avons un rendez-vous divin avec des milliers qui vont venir à Christ dans la prochaine année, ensemble. Mais Jésus arrive et c'est important de comprendre le contexte et les conditions dans lesquelles il nous appelle à lever les yeux. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, c'est un lieu historique. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Il arriva dans une ville appelée Sychar. Cette ville, autrefois, était appelée Sichem. C'est une ville célèbre pour le peuple d'Israël. On retrouve cette ville à plusieurs endroits dans les récits de l'Ancien Testament, Josué dans les Juges. Elle avait été appelée Néapolis à un certain moment. Et cette ville subsiste encore aujourd'hui. C'est le nom de Naplouse, en Palestine, à 50 km de Jérusalem. On explique le changement de son nom au fil des siècles de Sichem à Sychar, par la haine que les Juifs portaient à cause des conflits anciens, portaient aux Samaritains, qu'ils considéraient comme des mélangés, comme des impurs.
Sicar était dérivé du mot sicaire qui veut dire tromperie et mensonge, et le mot sicar qui voulait dire un buveur, un ivrogne, une ville de tromperie, de mensonge, une ville d'impur, une ville d'ivrogne était leur appellation. Une ville, des livres entiers s'écrivent par les historiens pour décrire la ville de Sicar comme une ville de désespoir, de colère, de révolte, de décadence. En termes modernes, il y a un des commentateurs qui parle de milliers de sans-abri qui étaient violents et qui rôdaient affamés dans les rues de la ville. Ça, c'est le contexte dans lequel Jésus arrive et la condition est très, très particulière. La condition, son état au moment où il communique. Dans son incarnation, dans son humanité, je rends grâce à Dieu pour la transparence et l'ouverture des Écritures qui nous dit « Jésus fatigué du voyage. » Jésus fatigué du voyage. Et j'ai été personnellement interpellé par ces mots. Alors qu'on est au commencement de la fin de cette pandémie, est-ce que vous êtes fatigué du voyage? Est-ce que le voyage vous a usé? Ces derniers 15 mois, cette année de pandémie, avec qui aurait imaginé, avec les 11 000 morts à date au Québec, les 3,8 millions de personnes à travers le monde, ce n'est pas une pseudo-pandémie, c'est une pandémie qui a fait des millions de morts. Le confinement et l'isolement et l'impossibilité de voir nos proches et les pertes de liberté. Pas de gym, pas de resto, pas de réunion familiale, pas d'amitié, pas de rencontre en personne, pas de voyage, les pressions non-stop, l'école à la maison. Est-ce que je peux être franc avec vous pour un instant? Comme pasteur, on n'est pas des robots. Après 38 ans de ministère, 36 ans de ministère, 28 ans à Nouvelle-Vie, cette dernière année, tout ce que nous avons apporté, Nouvelle-Vie en ligne, tout ce qui a pris place, cette pandémie et toutes les autres responsabilités et organismes qui sont sur nous, Jésus était fatigué du voyage. On peut ressentir une certaine, alors qu'on arrive dans cette période estivale, alors qu'on entre dans l'été et l'automne post-pandémie, qu'on va faire des multi-réunions sur tous nos sites, il y a une condition de cœur. Jésus est là, fatigué du voyage. Il est midi sous un soleil de plomb, dans un lieu, un contexte, condition de vestiges religieux qui étaient honteux, qui étaient douloureux. C'était à cet endroit et tout l'historique en était une où les leaders qui représentaient Dieu avaient agi de manière tellement infâme qu'il y avait de génération en génération une souffrance de l'âme. Nous avons tous frémi et bien franchement, ça nous donne la nausée lorsque nous lisons 215 dépouilles d'enfants retrouvées sur le site d'un ancien pensionnat à Kenloop, en Colombie-Britannique, et la pensée qu'il y a maintenant pour les prochaines années des fouilles qui vont prendre place à travers le Québec et le Canada où il y avait ces pensionnats. J'ai juste pris les manchettes de la dernière semaine, juste une semaine, sur la Presse Plus ici à Montréal. Quelques manchettes de la dernière semaine en cette fin de pandémie. La douleur d'une vie, les pensionnats catholiques québécois. Une ville en larmes et en colère, la haine et l'orphelin. Attentat contre une famille musulmane à London, en Ontario. Un 12e féminicide à contre-cœur. Explosion du nombre de jeunes en détresse psychologique à l'urgence. Les admissions pour un problème de santé mentale a grimpé de 40 % en un an. Autre tragédie. Révoltante avec un enfant, toutes des manchettes. Révoltante avec un enfant sous la garde de la DPJ. Augmentation de 180 % de la consommation de cannabis et d'antidépresseurs. Il y a Jésus qui est là, il y a une fatigue que nous pouvons ressentir. Mais pourquoi? Pourquoi répondre à ce mandat? Pourquoi lever les yeux? Parce que nous entendons, nous avons un mandat parce que nous entendons un cri. Un cri pour quelque chose de plus grand. On va lire ensemble Jean chapitre 4, versets 7 et 9. Un mandat de lever les yeux parce que nous entendons un cri pour quelque chose de plus grand. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des samaritains. Et lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai comme été traversé. Comme elle est traversée, je marchais dans mon bureau et je marchais cette semaine en prière à cette pensée. Les Juifs n'ont pas
n'ont pas de relation avec la Samaritaine. On va découvrir cette Samaritaine, sa vie personnelle, la semaine prochaine, plus en détail dans le prochain message. Elle est fascinante. On sait qu'elle a eu 5 maris, elle a vécu 5 divorces. Elle a été rejetée, elle a été méprisée, elle a été humiliée. Elle vient à midi, qui était une heure où personne ne venait, parce qu'elle ne peut plus supporter le mépris des femmes qui la regardent, comment elle la traite, qui viennent chercher de l'eau autour d'elle. Elle est isolée, elle est désabusée, elle ne s'attend plus à grand-chose de la vie. Et elle dit ces mots, « Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, ça m'a percé l'âme. » Parce qu'il y a aujourd'hui encore, comme c'est encore présent, énormément d'églises, de croyants qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'engagement, qui n'ont pas de générosité, qui n'ont pas d'urgence, qui n'ont pas de sens de responsabilité, qui ne lèvent pas les yeux même pour voir ceux qui sont autour d'eux. J'ai reçu un témoignage récemment qui m'a fait à la fois tellement célébrer Dieu et honnêtement à la fois pleurer. Nous avons eu plusieurs baptêmes récemment et lors du baptême, quelqu'un a témoigné que alors qu'on est en train d'établir une nouvelle vie, un site de l'Église Nouvelle Vie à Drummondville, et les gens de Drummondville, on est là, on est avec vous, les locaux sont trouvés, les rénovations sont en place, mais on a déjà pendant toute l'année des réunions régulières et des réunions dans des conditions avec pandémie, avec masques, distanciation et tout. Mais à chaque semaine, à chaque rencontre, il y a des gens qui sont nouveaux qui arrivent à l'Église. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur à chaque semaine. Et récemment, il y a quelqu'un qui témoignait à un de nos leaders qu'après une des réunions, il y avait une des personnes un peu plus âgées qui était là en larmes. Et le leader est allé vers elle pour dire « Est-ce que ça va, madame? » Un couple. Puis on dit « Vous savez, nous, on est tellement émus. On est chrétiens dans cette ville ici depuis des années. On était dans une église depuis des années. On n'avait jamais vu de nouveau. Il n'y avait jamais un nouveau. Personne ne levait les yeux. » Et je dis prophétiquement, je dis de tout mon cœur, cette prochaine année est une année de moisson parce que nous avons entendu un cri pour quelque chose de plus grand. Regardez la suite du texte dans Jean chapitre 4, verset 10 à 12. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, province entière qui ne connaît pas le don de Dieu, Dieu est qui est celui qui te dit par de lui-même, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, es-tu plus grand que... » Et là, elle cite le puits de Jacob, elle cite l'arrière-plan religieux qui les avait si amèrement laissé tomber déçus. Et la réponse, c'est oui, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelqu'un de plus grand. Il y a une relation personnelle avec Christ. Il y a quelque chose de plus grand que tes peurs, que tes angoisses, quelque chose de plus grand que les dépendances des gens qui sont autour de vous, plus grand que ton passé, plus grand que tes déceptions, tes blessures, les angoisses de ton âme, plus grand que ce que tu as bu jusqu'à maintenant, ce avec quoi tu t'es abreuvé jusqu'à maintenant. Jésus dit, si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. L'eau du matérialisme, l'eau de juste une vie de médias sociaux et du reste, l'eau d'une vie sans Dieu va toujours te laisser assoiffé, affamé. Il y a dans ton cœur cet espace, ce besoin avec la forme de Dieu. Regardez la suite. Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et regardez bien, ça c'est le cri. C'est le cri qui nous fait transcender toute fatigue, où Dieu nous renouvelle, Dieu nous fortifie. C'est le cri, c'est la passion de ceux qui lèvent les yeux. On a entendu un cri. Elle a dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Il y a autour de vous, partout ceci, pendant une seconde, les cœurs se dévoilaient partout autour de nous. Il y a des multitudes en ce moment qui crient dans cette province. Donne-moi de cette eau. Donne-moi cette eau qui libère, cette eau qui me change, qui m'apaise. Donne-moi cette eau de paix, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus à revenir ici, afin que je n'ai plus à être pris dans ce cycle. Si tu connaissais le don de Dieu, je ne vais pas nommer ni la ville, ni les noms, bien sûr, ni aucune précision. Mais tout récemment, j'ai pris connaissance d'un fait qui a pris place, qui m'a bouleversé. Un jeune policier qui avait tout dans la vie, succès, bien matériel et tout, mais qui vivait secrètement une souffrance intérieure telle
qu'il a fait une vidéo qui s'est retrouvée sur les médias sociaux. Il a fait une vidéo s'excusant à sa famille, expliquant qu'il était pour s'enlever la vie et qu'il « j'ai tout, il n'y a pas de scandale dans ma vie, il n'y a pas de, vous n'allez rien découvrir de majeur, j'ai pas de, mais j'ai une souffrance, j'ai un vide qui est tel que ça doit cesser, je veux m'excuser à l'avance à ma famille, m'excuser à mes collègues. » Et c'était tellement saisissant, j'ai pu voir cette vidéo, c'était tellement saisissant parce que le jeune homme a envoyé la vidéo et a pris son arme de service comme policier et avait prévu de, il s'est suicidé avec son arme de service à quelques dizaines de mètres du poste de police afin que ce soit des policiers qui le retrouvent pour ne pas traumatiser sa famille. Pour le reste, lorsqu'on passe en voiture, il y a encore des fleurs qui sont là. C'est ce cri de ceux qui ne savent pas même pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand pour venir apaiser la souffrance de mon âme, le vide? La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » C'est le cri qui me fait lever les yeux. C'est le cri qui me fait dire oui au mandat. Oui, à chacun avec notre part, je vais venir servir. Mais c'est le cri qui fait que je donne généreusement à l'œuvre de Dieu. Que l'été arrive, le mois de mai arrive, tout ouvre, mais je n'oublie pas la maison de Dieu, je n'oublie pas l'œuvre de Dieu, je n'oublie pas l'œuvre qui change des vies. Je vais être fidèle dans ma générosité parce que j'ai entendu ce cri. La femme qui dit, l'homme qui dit, ton voisin qui dit, ton ami qui dit, une province qui dit, quelqu'un qui a connu Dieu, qui s'est éloigné, qui dit, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus à venir ici, que je ne sois plus pris dans ce cycle. C'est ce cri-là qui fait de nous des moissonneurs. C'est ce cri-là qui est la raison de nouvelles vies en multisite. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre 300, 400, 500 000 $ dans la prochaine année à investir pour bâtir une église à Drummondville, une église dans différentes villes du Québec. C'est ce cri, c'est à cause de ce cri que nous levons les yeux et que Nueva Vida Hispanophone a été établi. C'est à cause qu'on a entendu ce cri que la prairie a été établie. C'est à cause qu'on a entendu ce cri que l'œuvre de Dieu s'en va vers Drummondville et vers Charlevoix et vers plusieurs autres villes du Québec et ici à Longueuil que des milliers vont venir à lui. Qu'on va se donner avec abandon, que nous créons, que nous bâtissons et développons une nouvelle vie en ligne pour rejoindre des milliers, comme c'est déjà le cas. C'est le cri qui me presse de dire « il faut que je fasse ma part ». C'est le cri qui me fait revenir à mon église en présentiel le 27 pour venir non seulement recevoir, mais servir. C'est ce cri qui, une personne, une famille, une vie, une église, une ville à la fois, permet le miracle, nouvelle vie, le miracle des vies transformées, une à la fois, et un impact insoupçonné, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Cette femme, une personne à qui Jésus a parlé, regardez bien, en terminant, qu'est-ce qui arrive lorsque nous levons les yeux? Lorsque nous levons les yeux de la femme samaritaine à toi et moi aujourd'hui, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et il y a celui qui sait tout de moi, sait tout de ce que je voudrais que personne ne sache, mais il m'aime, mais il me pardonne, mais il m'accepte, mais il me prend tel que je suis. Et il veut me changer, me transformer, me libérer, me étancher la soif de mon âme, faire de moi une nouvelle personne. Ne serait-ce pas le Christ, c'est lui. » Ils sortirent, elle a un impact qu'elle-même n'aurait jamais pu imaginer. Ils sortirent de la ville et vers lui. Dernier verset aujourd'hui, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de cette femme et un beaucoup plus grand nombre. C'est les mots que Dieu a écrits dans mon esprit, dans mon cœur, pour l'été et l'automne 2021. Et encore en beaucoup plus grand nombre. Hommes et femmes vont venir à lui alors qu'on lève les yeux, encore une fois, passionnément pour lui. Ce n'est pas seulement à cause, et voici ce que les gens disent, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous savons maintenant pour nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. J'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Juste un moment, j'ai préparé, il y a des dizaines et dizaines de personnes en ce moment qui, même pendant la pandémie, ont donné leur vie au Seigneur à Nouvelle Vie en ligne.
des gens qui sont même jamais venus physiquement encore, mais qui sont qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont baptisés. Nous allons faire des baptêmes pendant tout l'été. Si vous vous inscrivez pour le baptême, vous allez sur notre site et il y a des baptêmes d'eau qui vont prendre place pendant tout l'été à Nouvelle Vie, sur tous nos sites. Mais j'ai minuté ces 3 minutes et quelques. Alors, donnez-moi juste 3 minutes. Cette femme a dit, c'est lui, j'ai trouvé celui que mon cœur cherchait. Alors qu'on lève les yeux, comme cette femme samaritaine, par multitude, ils viennent une personne à la fois. Mais c'est mis à avoir un impact. Et les gens autour d'elle ont dit, ce n'est plus seulement parce que tu nous le dis. C'est pas seulement parce que tu m'as invité et j'ai regardé Nouvelle Vie en ligne ou je suis venu parce que tu m'as invité. Je l'ai expérimenté pour moi-même qu'il est le sauveur du monde. Et j'étais tellement touché parce que les personnes qui ont passé récemment dans un de nos derniers baptêmes, quelques-uns d'entre eux ont utilisé des mots, le témoignage exact, presque mot pour mot 2000 ans plus tard, de ceux de cette femme samaritaine et de tous ceux qu'elle a touchés. Alors laissez-moi juste laisser l'Esprit de Dieu toucher votre cœur. Seigneur, voici pourquoi nous levons les yeux. Parce que nous avons entendu le cri de Christina, 25 ans. Suite à l'intimidation qu'elle subissait, Christina a commencé à développer beaucoup d'anxiété et à perdre confiance en elle. Elle se disait qu'elle n'était pas assez bonne pour être aimée et pardonnée de Dieu. C'est vivant beaucoup de doutes et de panique quotidienne qu'elle assista la première fois à une réunion à Nouvelle Vie. Le message portait justement sur l'anxiété. À la fin, elle a prié avec Pasteur Ben Newton. À ce moment-là, Christina a senti quelque chose s'apaiser en elle. Depuis ce jour, après ses lectures quotidiennes et son entourage, elle apprend qu'elle a connu des amis chrétiens, elle apprend de Dieu, de son pardon, de son amour. Cette paix nouvelle demeure malgré les épreuves et les tempêtes, car elle sait que Jésus est avec elle. Nous levons les yeux parce que nous avons entendu le cri de Andrea, qui a 34 ans, qui a été baptisée récemment à Nouvelle Vie. Ayant connu Jésus très tôt, sans pourtant lui avoir réellement donné sa vie, tu as connu le Seigneur ou ta famille l'a connu, tu t'es éloigné. Durant son parcours de vie, Andrea faisait face à beaucoup de frustration et aussi à la dépression. Mais en 2020, en assistant à un groupe Nouvelle Vie, Andrea rencontre qui est réellement Jésus et fait le choix de le suivre. Depuis ce jour, elle a trouvé un sens à sa vie et a découvert sa mission. Elle se fait baptiser par amour pour Jésus et pour suivre ses commandements. Pourquoi lever les yeux? Parce que nous avons entendu le cri de James, 36 ans, qui s'est fait baptiser récemment à Nouvelle Vie, qui aimait entendre parler de Dieu à son jeune âge. Il n'a pas eu une enfance facile. Il vivait dans un contexte familial difficile. Les moqueries des autres enfants ne l'ont pas aidé. Son adolescence a été tout autant difficile alors qu'il consommait. Tout cela l'a éloigné de Dieu et les choses se sont empirées avec le temps. Il faisait des choses dont il n'était pas fier. Il mentait pour les cacher. La femme samaritaine a dit, c'est tout de moi, mais il m'aime. Mais il m'appelle à lui. Il m'accepte. Il va me changer. À cause de cela, il a perdu beaucoup d'amis. Un jour, sa femme, qui est chrétienne, lui demanda pourquoi il ne se tournerait tout simplement pas vers Dieu pour de l'aide, maintenant qu'il a tout perdu. Ce simple texto l'a percuté. Il s'est mis à pleurer en la présence de Dieu et est venu l'envahir. Il a demandé pardon à Dieu et lui a demandé de l'aider à changer sa vie de fil en aiguille. Dieu a fait fondre son cœur de pierre et lui a fait découvrir son plan pour sa vie. Pourquoi est-ce qu'on lève les yeux? Parce qu'on a entendu le cri de Jessica, 25 ans. Je termine avec elle. Depuis son adolescence, Jessica nous raconte que sa vie tournait autour des relations qui n'aboutissent à rien. Un peu comme la femme samaritaine. Elle avait un manque d'affection qui l'amena, il y a quelques années, à faire une psychose sévère. C'était lors de conversations avec son ami qui l'a invité à venir assister à une réunion à Nouvelle Vie. Ce soir-là, elle fut touchée par la présence de Dieu. Dieu a commencé à travailler son cœur. Elle a appris à se respecter, à connaître son identité en Christ. Son anxiété s'est changée en paix. Aujourd'hui, Jessica est mariée, heureuse, maman d'un petit garçon, et elle nous résume sa joie de vivre en une phrase. Il n'y a rien sur la terre comparable à la vie que Dieu a pour nous. Et dernier mot de la matinée, aujourd'hui, Jessica se fait baptiser car elle reconnaît que Dieu est le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et elle désire le servir, lui obéir et marcher avec lui toute sa vie. C'est ce qu'ils ont dit il y a 2000 ans. Maintenant, nous savons pour nous-mêmes qu'il est le Sauveur du monde. Alors, Seigneur, viens saisir nos cœurs. Viens saisir nos cœurs avec cette conviction. Viens nous permettre à nouveau de lever les yeux, chacun avec notre part, chacun avec nos dons, chacun avec nos ressources. Chacun, Seigneur, renouvelé dans le courage de non seulement être présent, être là, suivre, mais venir servir, venir nous abandonner à toi. Viens renouveler nos cœurs, Seigneur, nous confessons. Nous confessons, Seigneur, que nous sommes fatigués du voyage.
que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre zèle, dans notre passion, dans notre cœur, dans notre compassion. Donne-nous tes yeux, ton cœur. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons debout, nous acceptons le mandat. Tu nous donnes le pouvoir, le mandat, le pouvoir, la mission d'accomplir cette œuvre pour toi. Et tu vas nous donner force et grâce pour l'accomplir. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi, nous levons les yeux pour cette moisson, devant cette moisson. Nous entendons ce cri et par ta grâce, nous allons y répondre ensemble et nous déclarons à l'avance. Merci, mon Dieu, que pendant que les portes de l'Église étaient fermées, tu agis et agis encore. Mais maintenant que les portes de l'Église physiquement s'ouvrent, tu vas agir d'une manière sans précédent et te servir de nous alors que nous levons les yeux dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors que l'équipe d'adoration chante et adore et déclare notre espérance. Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux et à faire une différence. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On espère que le message vous a touché, vous a interpellé et vous a encouragé dans votre foi, dans votre appel. On a mis à votre disposition des ressources sur dieutappelle.nouvellevie.com, des ressources qui vont vous permettre de découvrir votre appel et d'aller plus loin dans vos questions et dans votre foi. Oui, vraiment. Donc, on vous encourage à visiter ce site Internet durant la semaine et restez également connectés avec nous sur les réseaux sociaux. On a vraiment du contenu pour vous, on a du contenu pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Donc, restez connectés. Et puis, je veux vous rappeler que demain matin, on a notre café matinal avec Pasteur Claude. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et une belle semaine. Bonne semaine.